Alors maintenant, je suis en train de me préparer pour couper l'angle ici. J'ai pas de foam cutter avec un fil chaud. Pour me dépanner, ben, je vais simplement tracer la forme avec du ruban et je vais couper avec un couteau avec les couteaux habituels. Maintenant que j'ai taillé, j'ai enlevé mon ruban, je vais me tracer une ligne des lignes de référence, je vais retracer les lignes entre les quatre lignes que j'ai déjà, les quatre lignes qui avaient été tracées selon mon center line, juste pour retrouver le centre. À partir du moment où j'ai retrouvé le centre, je vais tracer le trou à la grandeur où il est supposé être et ça va me donner un guide pour sabler ma pièce. Alors maintenant que mes repères sont tracés, je vais percer mon trou. Une fois que mon trou sera percé et qu'il sera exactement la grandeur que j'ai besoin, je pourrai sabler tout l'extérieur de ma tuyère. Alors, je vais faire un sablage tout autour pour m'assurer que ma mousse elle est égale à mon tube de carton tout le tour. C'est pas mal ça. Il y a des places que ça a besoin d'être finalisé, mais je me rends compte que peut-être que ça va être avec du mastic qu'il va falloir que je finalise ça. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais m'assurer que j'ai une épaisseur de mousse égale tout le tour, et suite à ça, je vais pouvoir, une fois que je vais avoir déterminé la largeur que j'ai besoin tout le tour, à ce moment-là, je vais pouvoir faire la forme extérieure et intérieure du cône. Alors si je prolonge les lignes, donc si je prolonge le cylindre de la tuyère et le cylindre extérieur, pardon, et le cylindre intérieur sur mon plan avec des lignes parallèles, je me retrouve à avoir 3 huitièmes de pouce entre l'intérieur et l'extérieur à la sortie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ma ligne ici à 3 huitièmes, donc c'est déjà la largeur ici, c'est un peu décentré, mais en gros c'est un peu la largeur qu'il y a déjà ici. Alors ce 3 huitièmes de pouce là, je vais le reproduire tout le tour, ensuite je vais pouvoir sabler l'intérieur et l'extérieur de mon cône. Ma tuyère numéro 1. Alors ça c'est la nacelle droite qui est prête pour le fibre de verre.
pour les curieux, la nacelle sans le fibre de verre, 45 grammes. Peinture ou sans finition, ils ont l'air de rien. Mais je vais maintenant m'appliquer à faire un peu de finition et très probablement commencer une première couche de fibre de verre. À l'étape du laminage à la fibre de verre de notre pièce. Alors, j'ai installé sur la table ce qu'on aura besoin et ensuite je vais vous expliquer comment on va le faire et puis on va passer finalement à l'étape de l'exécution. Alors, la fibre qu'on va utiliser, alors on voit ici, c'est de la fibre qu'on va. Cette fibre-là, c'est la fibre plus épaisse, celle qui pèse une once au pied carré, je crois, et pas au pied carré, à la verge carrée, une once à la verge carrée. Et donc, c'est une fibre tressée qu'on trouve dans les magasins de pièces de voiture ou de bateaux. Ensuite, on a la fibre qui est beaucoup plus mince, qui est pour faire la couche de finition. Celle-ci, c'est de la 3/4 d'once. 3 quarts d'once par verge carrée, très mince, et c'est la dernière couche qu'on mettra. Une fois qu'on a remis une couche de celle-ci, on pourra mettre une ou deux couches de celle-là. Pour poser notre fibre, on a besoin d'une résine. Alors on voit ici la résine et le durcissement. Ça vient en deux parties, c'est du zipoxy, et donc c'est une résine de finition. Et par rapport à de l'époxy normal, on voit que c'est beaucoup plus liquide. Je ne sais pas si on peut constater. Ouais, c'est beaucoup plus liquide, beaucoup plus facile à appliquer ensuite. On a besoin de pinceaux. Encore là, c'est des pinceaux jetables. On peut toujours nettoyer à l'alcool ensuite. L'alcool pour nettoyer les mains ou le pinceau. Prends d'excellents ciseaux pour couper la fibre de verre parce que sinon ça va effilocher, ça va être un peu le bordel. J'ai mis la balance ici, celle-ci, c'est une partie optionnelle et le poids est mélangé. Alors la balance, c'est simple. On met notre pot sur la balance comme ceci, on l'initialise, on fait une mise à zéro, comme ça. Maintenant qu'elle est à zéro, quand on mélangera nos deux parties, on peut peser le nombre de grammes exact de chacune, et puis on arrive à un résultat qui est plus juste. Donc, probablement une meilleure prise au final. Alors, étant donné ici que j'ai un morceau un peu particulier, en fait, que je ne pourrais pas vraiment tenir ou que je ne peux pas vraiment faire en place, ce que je vais faire,
je vais me couper des bandes que je vais venir en coller sur ma tuyère. En fait, je vais commencer par celle-ci. Donc, puisqu'elle est droite, l'autre elle est un peu penchée, celle-là est droite. Alors, ce que je vais faire, je vais venir me coller des bandes que je vais enduire de résine, de la fibre la plus lourde des deux, la plus solide aussi. Et quand ces bandes de fibre-là seront collées, je viendrai faire une couche de finition avec la fibre la plus mince. Ce que je ferai, c'est que je ferai une bande qui va environ jusqu'ici. Et à l'intérieur, j'irai complètement jusqu'à la limite du foam et du carton pour m'assurer d'avoir une finition qui va être quand même pas si mal à l'œil. Et quand ce bout ici sera terminé, sera durci, probablement dans la soirée, dès qu'il va être pas trop collant pour que je puisse le manipuler, ce que je viendrai faire, c'est que je viendrai faire la même opération avec le haut. Donc j'ai pas le choix de le faire en deux fois parce que je peux pas vraiment manipuler ma pièce autrement.